sur ma chaîne Les Économies et Défis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors chez nous, ça a été, je vais vous donner des nouvelles de ma fille parce que j'ai eu énormément de messages par rapport à ma dernière vidéo où ma fille était malade. Alors aujourd'hui, ça va. Là, elle vient de se lever maintenant. Hein. Il est 10h bientôt et demi. Elle vient de se lever et du coup, je viens de prendre sa fièvre à la 37. Alors super. Avant-hier, le jour où j'ai fait la vidéo, elle nous a fait des 39,5 toute la journée et toute la nuit. Hier soir, elle s'est couchée avec un petit 38. Cette nuit, elle avait un peu chaud encore. Mais ce matin, elle avait 37 et elle a l'air d'être mieux. Alors voilà, déjà, ça, c'est une bonne chose. Je ne sais pas ce qu'elle m'a chopé. Mais bon, bref, ça, c'est fait. Ça va mieux. Merci en tout cas pour tous vos messages. C'était super sympa. Merci beaucoup. Voilà. Si je renifle, excusez-moi, j'ai les allergies plus. C'est une aurore. J'ai les yeux, si vous me voyez, vous prenez peur. J'ai les yeux, c'est une aurore. Le nez, c'est une catastrophe. Bref. Allez, passons. Là, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 18. Vous verrez la vidéo aujourd'hui pour le bilan de la troisième semaine et le remplissage pour la quatrième et dernière semaine. Je vais sûrement faire, je sais pas si je ferai un bilan en fin de semaine et je laisse ce qui me reste dans le Fiofax. Enfin, je sais pas. Ça dépend ce que j'ai, ce qui me reste dans mes placards. Alors, avant de commencer, je vous ai dit la dernière vidéo, j'ai changé mon portefeuille. Il n'y aura plus de petites enveloppes. Alors, je ne sais pas si je vais continuer avec celui-ci. Hein. Je teste déjà jusqu'à la fin du mois. Là, pour le moment, ça me va. Je teste jusqu'à la fin du mois et ensuite, je verrai si j'aime ou si j'aime pas. Voilà. Alors, c'est ça. C'est un petit porte-monnaie porte-carte. Alors là, vous avez pour mettre les papiers. Je ne vais pas ouvrir parce que ma carte d'identité et tout. Voilà, vous avez ici pour mettre, voilà, ça s'ouvre comme ça pour mettre les cartes. Et moi, ce que j'ai fait, voilà, il y a plein de portes de cartes normalement. Et je me suis fait des petites intercalaires. Alors, des petites intercalaires, je ne sais pas casser la tête. Hein. J'ai juste mis une petite étiquette sur des feuilles plastifiées. J'ai plastifié, j'ai coupé et j'ai collé par contre directement. Sur le côté, là en fait, pour pas que ça s'enlève à chaque fois. Courses, d'hiver, entretien, hygiène, promo, santé, beauté, école, animaux et extra. Voilà. Alors, je verrai si ça me plaît. Pour le moment, ça me va. Honnêtement, ça fait moins gros déjà, parce que moi, j'aime bien les petits porte-monnaies. Déjà, ça fait déjà moins gros dans mon porte-monnaie, dans mon sac, pardon. Et voilà. Si ça me plaît, par contre, j'en reprendrai peut-être un, mais qui fait un petit peu porte-monnaie. Parce que j'ai voulu mettre mes pièces dedans et en fait, il y a pas, c'est pas fermé en bas. Du coup, les pièces, elles se promènent de partout. Alors, peut-être j'en prendrai un. J'ai vu sur AliExpress, sur Chine, parce que je l'ai pris sur Chine. Je vous mettrai la référence si ça vous intéresse. Sur Chine, il y en a qui a le porte-monnaie accroché avec. Alors, je vais voir. D'abord, je teste avant. Je paye ça 3 ou 4 euros, un truc comme ça. Oui, je pense que c'est ça. Alors voilà, j'ai pas voulu acheter trop cher parce que j'ai pas envie d'investir et après de me dire j'aime pas. De toute façon, si j'aime pas, ça me fera toujours pour les vacances. Mais pour l'instant, j'aime bien. Voilà. Allez, et ben c'est parti, on va voir ce qu'on a pu sauver. Alors, alimentation. Alors, j'ai été faire les courses une seule fois, samedi, je ne suis pas ressortie. Déjà, là, chez nous, il fait entre 38 et 40 degrés. C'est une aurore. On reste à la maison. Ma fille qui a été malade. Du coup, j'ai été faire les courses une fois et c'est tout. Et il me reste 60 euros. Alors ça, c'est juste topissime. Excusez-moi si vous m'entendez renifler. Je vais essayer de faire sans renifler, mais ça va être dur. Course d'hiver, il me reste toujours même à mes 10 euros. Hein. Et le reste, c'est bon. Hein. Entretien hygiène, il me reste toujours mes 20 euros. Promo, j'ai toujours mes 20 euros. Santé, 20 euros. Beauté, j'ai plus rien. École, il n'y avait rien. Animaux, il me reste 20 euros, mais ça va partir cette semaine. Et j'ai mis la carte en plus animaux ici. Comme ça, les tout. Et extra, il n'y avait rien. Voilà. Mes beautés, il me semble que je l'ai mis dans mes défis. Comme je vous avais dit, j'en avais pas besoin. Du coup, je l'ai mis dans mes défis, mais je l'ai noté. Je vais vous montrer. Voilà. Allez, on va remplir. Je n'ai même pas sorti mes classeurs. Je n'ai rien fait. Ce matin, c'est un peu la course. Allez. On va remplir pour la dernière semaine. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de faire 2 semaines avec, si je fais mon bilan à la dernière semaine et j'essaye de rien dépenser, si j'ai assez dans mon portefeuille, je verrai. On verra, parce qu'il me reste quand même pas mal dans promo. Déjà, il y a 20 euros de plus que je peux acheter de l'alimentation avec. Alors, on verra. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Je verrai. Allez, on va ranger tout ça. Alors, le seul désaccord. Voilà, il y a les avantages et les inconvénients, pardon, j'arrive plus à parler. Il faut plier les billets, mais bon, de toute façon, je l'ai plié déjà.
dans mon A7. Hein. Hop. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Déjà, c'est moins gros. Quand on sort porte-monnaie, ben, ça fait pas voir vraiment ben, tout. Hein, parce que... Hop. Alors, on verra si je continue avec ça. Mais si je continue, je pense que je prendrai avec un porte-monnaie. Là, j'ai de la monnaie que j'ai mis dans un porte-monnaie, mais je sais que c'est que de l'alimentation. Si je vous dis l'alimentation, j'ai presque rien acheté. J'en ai même mis dans mes petits défis. Il me reste de la monnaie. Vous allez voir. C'est, et je vous ai même pas fait la monnaie exactement. Oui. Alors, attendez. On va stopper. J'ai mis ma monnaie dans le petit portefeuille qu'une abonnée m'avait offert. Et ça, c'est que de l'alimentation. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste? 1, 2, 3, 3 euros, 25, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 26 euros, il y a. Je le noterai après parce que regardez, j'ai fait tout à l'envers. J'ai même pas noté dans mon agenda ce que j'avais. Mes économies. Allez, divers, c'est pas grave, on verra après. 10 euros et ça s'arrête là. Et bientôt, ben, y aura l'école qui reprend. Du coup, on va remettre dans école. Hop. École. Et voilà. Et ben dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, j'ai mis un petit porte-clés. Hein. J'ai mis un petit bijou pour faire plus joli. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, pour le moment, franchement, j'aime bien parce que c'est vraiment petit. Et ça rentre super bien dans mes petits sacs. Moi, comme j'aime bien les petits sacs. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, pardon, je remonte. Ça, j'aime pas. C'est pas très agréable pour vous, mais... Hop, on va prendre ça. Hop, hop. Parce que j'ai fait tout à l'envers. Hein. Alors... Du coup, dans les défis, j'ai mis 14,70 €. Alors, ma calculette, en plus, elle est en train de me lâcher. Du coup, je m'en suis commandé une autre sur Shein. Je l'attends. Alors, du coup, ça fait combien on a? Ça, c'était 10 verres, 10 €. Oh là là, j'ai fait tout à l'envers. 10 € en 10 verres. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Alors, 60 plus les 14... 60, 70 normalement, j'ai tellement bien écrit. Plus, on a dit combien là? Alors, 1, 2, 3. Alors, plus 3. Et on a combien? 10, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Alors, plus, ça nous fait une économie de 78 € rien qu'à l'alimentation. Alors, c'est juste topissime. On a fait, franchement, mais on n'est pas sorti avec la petite qui était malade. Franchement. Promo. Oui, j'avais 30 €. Du coup, j'ai mis 10 € dans les défis. Parce que je dis, bon, il me restait les 30 €. Alors, on a mis 10 € dans les défis. Et beauté, c'est ce que je disais. J'ai mis les 10 € parce que j'en avais pas besoin. J'avais un bon d'achat. Voilà. Du coup, ça me fait 10, 20, 30, plus 30. Une économie de 108 €. Cette semaine, c'est énorme. Voilà, l'avantage d'être malade et qu'il fasse très chaud surtout, parce que honnêtement, j'ai pas envie de sortir. C'est une catastrophe. Il fait trop trop chaud. Et en plus, on n'a pas fini. Il nous annonce tout le week-end du 40 et lundi aussi. Bref, je pense qu'on va pas beaucoup sortir. On va faire les courses et on rentre à la maison. Je bois un peu de café. Ça fait 2 nuits que je dors avec ma fille comme elle est malade. Sinon, je fais des allers-retours dans sa chambre. Je dors avec elle et c'est pas super. Hein. Mais bon, on fait comme on peut. Allez, c'est parti. Du coup, on va remplir les défis. Eh ben, 5 €, il n'y en a pas, c'est pas grave. 10 €, ben, on met 10 €. Hein, vous savez, ça c'est pour mes vacances, pour l'année prochaine. Hop. Alors, ce que je vais faire, on va prendre les billets de... Hop, déjà. Et je... Hop. Ça, c'est ce qu'il y avait. Et je remets 10 €. J'aurais pu en mettre 15, je suis bête. Voilà. 30 € dans le défi des 10 €. Ça monte, c'est bien. Le 780, on met 20 €. On sera déjà à 120 €. Vous savez, je l'ai vidé pour mettre dans mes épargnes. Hein. Maintenant, c'est ce que je vais faire tous les 6 mois. Je vide, enfin, 2 fois par an, du coup. Je vais prendre des billets de 10. Hop, 2... Pour mettre dans mes épargnes et comme ça, ça m'évite d'avoir trop à la maison. Ensuite, là, il me manquait 22 €. Mais bon, on va les mettre. J'avais mis 22 €, alors 20 et 2,
J'ai dit c'était ce mois, je vais peut-être pas pouvoir les faire. Et ben si. Ah mais je vous dis, j'avais pas envie de sortir. Comme je vous dis, manger avec la chaleur, je vous dis, c'est intenable. Honnêtement, je vais voir combien j'ai, comme ça je vais le noter direct. On n'a même pas faim. Rien que déjà pour faire le manger, déjà c'est une cata. 2, 4, 5, 6, 62, 4, 64 euros. Et chez vous, ben dites-moi s'il fait chaud comme chez nous, si vous avez frais, parce que c'est franchement 64. C'est, mais bon, après c'est l'été. Hein. L'hiver il fait chaud, l'été il fait froid. Non, c'est le contraire. J'ai envie d'aller me coucher. Allez, arrête Céline. Là du coup, août c'est bon, septembre on attend. Là, août, allez, on met les 10 euros qu'on n'avait pas mis. J'en profite. Hop. Ensuite, ben, centimes, je vais les mettre tout de suite. 1,20€. Est-ce que. Hop, il est là, c'est top. 1,20€. Ça, je mettrai dans ma petite tirelire et les petites pièces dans celle-ci. Mais j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Par contre, il faut que je le note là. Parce qu'après, je sais plus où j'en suis. Alors, plus 1,20€. Qui c'est ma... C'est toi ma puce? Non, c'est moi. Non. Non, c'est le grand. On est à 24€. Bon, je sais pas ce qu'il voulait. C'était pas l'argent. Hop, ça c'est fait. Ça, bah, y a rien à mettre. Il reste 10€. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les mets? Non, je vais les mettre dans l'été. Faut que je finisse. Tant pis, après, je pourrais commencer les cartes à gratter, etc. Tiens, j'ai refait des cartes à gratter pour l'année prochaine. Je ne les ai pas finies. Dès que je les ai finies, je vous les donne. Comme ça, vous pourrez les imprimer. Si vous voulez commencer en début d'année, vous aurez d'avance. Pour faire mon défi chaque mois. Et j'ai en train de le faire, là. Alors, est-ce que j'ai 10€? Ouais, 7 et 3. Hop. Et ben il avance bien celui-là. Je l'aurais fini normalement. Il manque combien? 15. Et ben il manque 20€. Et ben c'est top. Et ça, c'est dès qu'il est fini, hein, je le mets en épargne. Hop. Je vais noter pour pas me... Alors je l'avais pas noté la dernière fois parce que s'il me manque 6, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. 40€ j'ai. Hop. 40€. Non, 50. Ah, je vous dis, hein, aujourd'hui, je voulais pas. Enfin, j'étais obligée de la faire la vidéo. J'ai dit, il faut que je la fasse, mais je sais que c'était un peu. 2, 3, 4, 5, 50€. J'étais un peu fatiguée. Mais j'ai dit, il faut la faire. Alors, excusez-moi si je suis un peu brouillon. 50€. Allez, 50€. Et ben voilà, on a rempli tous les défis, hein. Bah ça, il reste toujours que 20€, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. Carte à gratter, bah, j'ai toujours que 7€, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé, comme on dit. Et voilà, bah, ça va pas tarder à partir, parce que je crois que les inscriptions, c'est bientôt. Et voilà, et là, il faut que j'attaque mon classeur pour voir les défis que je vais faire l'année prochaine pour être prête. Parce que ça passe tellement vite. Voilà pour ça. Alors, on va faire un petit point sur mes défis du mois. Alors, défi du mois. Là, du coup, on est à 30€, il me semble. Hop. Je vous ai dit, j'avais rajouté dans les défis 14 et des poussières, mais celui-là, j'avais rajouté 14. Ouais, j'ai 30€. Bon, je pense pas que je vais les finir. Hein. Pour être honnête, mais c'est pas grave, ça sera toujours ça à épargner à la fin du mois. Alors, on a dit 30€. Je le note comme ça. 30€. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se prendre la tête pour les défis. Hein. Celui-ci, ah oui, c'est là, j'ai mis 10€ beauté, 10€ promo et 70 centimes en alimentation. Du coup, qu'est-ce qu'on a? C'est là que j'ai mis, je me suis bien avancée. J'ai 10, 20, 30, 31. 32, 40. 32, 40.
Hop. Alors, c'est très bien. 32,40. Je vous fais bouger, je suis désolée. 32,40. 32,40. Ben voilà, ça fait déjà 62,40€ dans les défis. Ça sera toujours ça à mettre en épargne. Et celui-là, je le fais pas. Mais je pense que là, je vais finir avec deux défis par mois. Parce que ça sert à rien que je l'imprime. Enfin, je l'imprimerai pour vous montrer et le mettre de côté. Parce que peut-être ceux-là, je les remettrai l'année prochaine. Mais 3, ça me fait trop. Alors ça sert à rien que je les mette. Mais je les imprimerai, mais je les plastifierai pas tout de suite. Parce que ça sert à rien. Dans mes épargnes, ça va bouger. Hein. De toute façon, je ne suis pas sortie. Il reste encore des 3 bricoles pour l'école, mais j'ai pas été. Je vous dis honnêtement, j'ai dit on verra la semaine prochaine. En plus, il fait chaud et mon mari travaille. Je suis toute seule à la maison et j'ai pas envie d'aller à pied faire les courses. Voilà, on verra ce week-end si on va faire 2-3. Il manque quoi? Ma fille, elle a sa tenue. Il va lui manquer une tenue de sport. Mon fils, et ben mon celui qui est au collège, il manque sa tenue. J'ai pas encore pris sa tenue, il manque 2-3 trucs. C'est ma fille, il manque 2 classeurs. Et mon grand qui est au lycée, il est en pro, en mécanique, il a pas eu de liste d'école encore. Alors on aura la liste sûrement à la rentrée. Ça j'aime pas parce que voilà quoi, on va avoir la liste au dernier moment. Mais bon, c'est pas grave, hein. Déjà je lui ai pris tous ses stylos, sa trousse, parce que ça change pas. C'est compas, les choses comme ça, mais tout ce qui est cahier ou classeur ou quoi, je ne sais pas du tout ce qu'il lui faut. Mais bon, c'est pas grave, on attend et on verra. Voilà. Bon, et ben, je crois que j'ai fait le tour, que je n'ai rien oublié. J'espère que j'ai pas été trop brûlante parce que je suis fatiguée. Mais bon, normalement, j'ai rien oublié. Les défis, ils ont fait succès. Merci beaucoup, ça vous a vraiment plu. Je vais essayer d'en faire encore quelques-uns avec des petits ou gros montants. Et il y en a qui veulent aussi encore plus haut. Alors franchement, pour l'année à plus de 1 000€, je vais voir si je peux en faire un ou deux. Ce ne sera pas pour moi, ce sera surtout pour vous. Parce que moi, dès que ça c'est trop long, moi, je me lasse très très vite. Il faut que je change. Alors du coup, j'essaierai d'en faire un ou deux avec des gros gros montants. Voilà. Mais les petits montants vous ont beaucoup plu. Là, j'ai remarqué que beaucoup de personnes veulent les défis à petits montants. Et je vous comprends. Franchement, moi, je suis pareil. J'aime bien quand c'est petit montant. Parce que je me suis aperçue quand c'est trop long, et ben on se lasse vite. Alors voilà, j'essaierai de vous faire ça. J'ai en train de faire les défis pour l'année prochaine. Je vous dis des cartes à gratter. Moi, je vous donnerai les supports. Enfin, je vous envoie les supports. Et après, si vous voulez faire les cartes à gratter, je vous dis, moi, j'achète sur Shein. Je me suis même recommandée à la dernière commande. Je paye 80 centimes. Je me prends ça. Il y en a combien dedans? Il y en a. Il n'y a pas de ronds par contre. Et si vous en voulez des ronds, c'est sur AliExpress ou Temu, j'ai vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 10, 20, 30, 40. Il y en a 50 pour 80 centimes. Alors honnêtement, voilà quoi. Et je prends ceux-là. Moi, ça me suffit largement. Après, si vous voulez des ronds, des dorés, un peu. Et ben ça, c'est. J'ai vu sur Temu, ils en vendaient. Ou sur AliExpress. Mais moi, je ne commande pas sur AliExpress. Je commande que sur Shein et peut-être, là, je me suis préparé peut-être une commande Temu, mais c'est pas sûr, je connais pas trop ce site. J'ai jamais commandé encore dessus, mais franchement, sur Shein, ça arrive vite et je trouve que... Il y a que ces sortes-là, hein. Je peux pas prendre du rond ou... Il y en a des dorés, il y en a des couleurs or et tout, et je peux pas parce que bon, il y a que ceux-là. Mais bon, moi, ça me suffit largement pour moi. Hein. Mais bon, si vous voulez les faire, hein, moi, je vous envoie les supports avec plaisir. Par contre, il faut acheter les cartes à gratter, enfin, les étiquettes à gratter. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo bonus sur les défis pour le mois de septembre. Ils sont finis, j'ai plus qu'à les imprimer. Il faut que je prenne le temps de les imprimer et de les plastifier. Dès que j'ai fait ça, je vous fais la vidéo en début de semaine. Il y aura peut-être un bilan vendredi, je ne sais pas. Ce sera ou le bilan du mois ou un petit point pour laisser ce qui me reste pour finir la semaine. Je verrai ce qui me reste. Je verrai ce qui reste dans mes placards. Voilà, on verra tout ça. Mais sûr, il y aura une vidéo bonus des défis du mois de septembre. Voilà. Moi, sur ce, je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.